Good morning. Allez, Yidane et Nessus aujourd'hui, le Lunishma de Richaron, Ben Fortune Mazal et Claude Israq, Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, des une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Rosh Hashanah, Perek Dalet Mishnah Dalet, Barishuna, Yom Ekablin, Edut HaKodesh, Kol Hayom. Pamachat Nishtahu Ha'edim Illavo, Venitkalkelu Alevim Beshir, Itkenu Shelo Yom Ekablim, Ella, Adamincha. Vim Bao Edim, Mina Mincha, Ole Mala, Nuaginoto Hayom Kodesh, Kol Machar Kodesh. Mishécharav bet amigdash, itkin rabbi Yochanan ben Zakkai, shayom mekabelim edut hachodesh kol hayom. Amar rabbi Yoshua ben Korcha, ve'od zot itkin rabbi Yochanan ben Zakkai, shafilu rosh bet din bechol makom, shelo yu ha'edim holchim ela limkom avad. Une nouvelle Mishnah avec de nouveau les décrets de rabbi Yochanan ben Zakkai qu'on est en train de découvrir depuis maintenant. La Mishnah précédente, mais en fait ça commence déjà depuis la première Mishnah du chapitre. Concrètement, il y a, on a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui le Rav, le dirigeant d'Israël, qui a accompagné le peuple d'Israël durant la destruction du deuxième Beth Amikdash, avec toutes sortes de décrets qu'il a fait suite à cette nouvelle situation où Israël vivait maintenant sans Beth Amikdash. La vie, elle était différente, il y avait d'autres rituels, il y avait d'autres choses. Tantôt il a instauré de nouveaux interdits, tantôt il a justement levé aussi les restrictions qu'il y avait, comme ça va être le cas tout de suite. Barishona, dans un premier temps, donc à l'époque du Beth Amikdash, Ayum et Kabbalim et Dutachodesh Kol Ayom, on pouvait recevoir les témoignages sur le renouvellement du mois ou de l'année, Kol Ayom, durant toute la journée. D'abord, il va nous projeter maintenant à l'époque du Beth Amikdash. Pour rappel, à Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, on arrive le 29 Elul, on va expliquer comment d'abord il fallait vivre à l'époque, c'est une fête très particulière, Rosh Hashanah, de ce côté-là. Toutes les fêtes, d'abord tu fixes la date, et puis après on se donne rendez-vous à la date, on arrive. Rosh Hashanah, on arrive, on ne sait pas ce que c'est la date, vous comprenez la problématique? C'est-à-dire, lorsqu'on va fixer Rosh Chodesh Nissan, alors on sait que dans 15 jours ce sera Pessah, on fera le Corban de Pessah. Rosh Hashanah, c'est une fête, un Yom Tov qui va tomber un premier jour du mois. Maintenant, le premier jour du mois, comme ce qu'on a longuement appris, il peut être soit le 30e jour depuis le Rosh Chodesh précédent, soit 31 jours après le Rosh Chodesh précédent. Ça dépend, est-ce qu'il y a eu le renouvellement lunaire, est-ce que les témoins ont vu la lune et pourront venir témoigner au Beth Amikdash, à l'Eshkat Hagazit, ils ont vu le renouvellement lunaire. Du coup, imaginez la situation. Arrive le 30e jour depuis le Rosh Chodesh précédent, depuis Rosh Chodesh Elul, on compte 29 jours pleins, le 30e jour au soir, on commence un... Ça fait que Rosh Hashanah, est-ce que c'est Rosh Hashanah, on n'en sait rien. On commence, on va au migvé, on va mettre les beaux habits, on va manger le rituel de Rosh Hashanah. Le lendemain matin, on se lève, on fait déjà, on fait attention, on transgresse surtout aucune melacha, parce que c'est peut-être Yom Tov. Finalement, vers 2h30, 3h de l'après-midi, arrivent les témoins, ils nous racontent qu'ils ont vu la nouvelle lune. Super, c'est Rosh Hashanah. On a bien fait, heureusement, qu'on a gardé Rosh Hashanah, parce que réellement c'est Rosh Hashanah. Les témoins sont venus, le Bedin a dit Mekoudash, on envoie le coup d'envoi au Beth Amikdash, faites vite les korbanot de Rosh Hashanah, tac 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 tac, korban Tamid, vient à la tombée de la nuit suivante, Rosh Hashanah est fini, on se retrouve le 2 Tishri, tranquillement, ou pas, parce que c'est assez rapide, tu vois, mais en tout cas, il n'y a plus ici de. Il n'y a plus de Rosh Hashanah, plus Yom Tov. Si toutefois les témoins ne sont pas venus, alors là c'est compliqué, parce qu'imaginez la situation. On a commencé maintenant la journée du 30e jour depuis Rosh Chodesh précédent. On a commencé, on a mis des beaux habits, on s'est souhaité Rosh Hashanah, Shana Tova, nanana. On a fait attention à ne rien transgresser. Les enfants, ils voulaient manger, on s'est cassé la tête à leur faire à transfaser à partir d'un feu déjà existant parce qu'on n'avait pas transgressé. Imaginez que maintenant, à 4h30 de l'après-midi, les témoins ne sont toujours pas venus. Le Beit Din, il voit l'heure qui approche, donne le coup d'envoi au Beth Amikdash, pour leur dire, allez, Yom Chol, c'est un jour de Chol, faites vite le Korban Tamid de tous les jours, il n'y aura pas de Korban de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah c'est différent pour demain, apparemment, même sûr. Et du coup, quoi, les gens se retrouvent un petit peu, ils se disent, alors quoi, finalement, tout ce qu'on a fait depuis hier, pourquoi on l'a fait? C'était pas vraiment Yom Tov, on s'est pris la tête, mon fils, il avait besoin de manger, j'ai dû partir me casser la tête pendant... L'année prochaine, vous savez quoi? Je les attends au tournant. On va commencer Rosh Hashanah, quelqu'un il va se dire, oh, allez, le petit, il a envie de manger, on va lui faire cuire. Ah, va chercher du feu chez la voisine. On va dire, ça va, l'année dernière, ils nous ont déjà fait le coup. Finalement, à 5h d'après-midi, ils nous ont dit que c'était pas Rosh Hashanah. Les gens, l'année prochaine, ils vont se mettre à transgresser Rosh Hashanah. Et finalement, les témoins, ils vont venir.
et puis on va réaliser, etc. Et puis alors c'était la catastrophe. Du coup, il ne fallait pas laisser cette situation. Alors c'est ce qu'on va tout voir, on va voir ça dans la Mishnah. Du coup, on a fait un décret de continuer à préserver le premier jour de Rosh Hashanah. D'accord? Ça, c'est le décret général. Maintenant, la Mishnah, elle va nous projeter dans une situation un petit peu plus complexe en rapport au Beit HaMikdash, selon le même principe, mais au Beit HaMikdash directement. Il y a eu une fois une grande takala qui s'est passée pendant le Beit HaMikdash. Alors, Barishona, au début, Ayom et Kabim et Dota Kodesh Kolayom, on recevait des témoignages durant toute la journée. Mais seulement une fois, il y a eu, pas à Mahat, une fois, Nishtaou et Edim et Lavo, les témoins ont trop traîné pour venir. Venit Kalkinu Alevim Beshir. Et alors là, les Lévim qui étaient en train d'attendre pour chanter au Beit HaMikdash, Nit Kalkelu, ils ont abîmé, ils ont mal fait, ils ont faussé complètement le chant au point où ils n'ont pas chanté. C'est-à-dire, par rapport au Beit HaMikdash, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Beit Din donnait le coup d'envoi au Beit HaMikdash, au Kohanim, pour leur dire maintenant, eux, ils attendent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, il faut apporter un par, va'il, ve shivak vasim, ve khatat? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est un jour de chol, on fait juste le Korban Tamid, Shel Ben Rabim, on a fini? Les témoins, eux, ils étaient là. Le Beit Din, ils étaient là. Qu'à la fin, ils ont donné le coup d'envoi. Oh, les Kohanim eux-mêmes, ils n'ont pas voulu commencer à chanter le jour de Chol parce qu'ils ont quand même vu qu'il y avait des gens qui allaient venir. Hein? On a fini d'apporter le Korban sans avoir chanté. Or, il y a un devoir de chanter lorsqu'on fait le Korban. Il y avait les chants du Beit HaMikdash, ce qu'on dit tous les jours. Shircha Yolvrim, Alevim, Omrim, Aladuchan. Donc, l'après-midi de Rosh Hashanah, ouais, le matin, on chantait le même jour comme Shircha Liom. Mais l'après-midi, il fallait soit chanter le Shir de Rosh Hashanah, comme ce qu'on fait aujourd'hui, la menace à la guise de la SAF, à Nulurim, et tout le... D'accord? Là-bas, on parle de Rosh Hashanah. Ou bien, soit chanter le Korban, le chant du Korban de Chol, ce qu'on chantait pour le Korban de Tamid de Chol. Et les Lévim, ils étaient là, ils savaient pas, est-ce qu'il fallait, il fallait pas, il fallait... Hein, ils ont fini de faire le Kohen, ils ont fini de faire le Korban, et les Lévim n'avaient toujours pas commencé à chanter. À cause de cette situation indécise, alors, ils ont fait un premier décret, à l'époque du Beit HaMikdash, c'est pas encore Abiyah Ben Zakai. Ils ont instauré qu'on ne reçoit les témoins que jusqu'à l'heure de la mincha, l'heure où il faut apporter le korban tamid shel ben arbaim comme tous les jours. Par contre, si les témoins ils sont revenus après mincha, alors là, le bedin ne va pas se boucher les oreilles pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Oui, le bedin va se boucher les oreilles. Regardez. Eh bien, puisque les témoins sont arrivés après mincha, on continue à préserver ce jour-là, Kodesh, sans recevoir les Edim. On fermait les portes du Beit Din. Ils ne pouvaient plus rentrer témoigner, les témoins, c'était fini. Maintenant, ils ne peuvent plus témoigner, donc ce premier jour, en théorie, c'est un jour profane. Malgré tout, Nohagin Oto Ayom Kodesh, on avait l'usage de préserver, durant cette journée, un jour de Kodesh, un jour de Yom Tov, les gens ne faisaient pas de Melacha, ou le Machar Kodesh, et le lendemain aussi, il était établi comme un jour Kadosh, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Un peu comme ce qu'on fait à notre époque, on fait deux jours de Rosh Hashanah. En théorie, il n'y a pas besoin de faire deux jours, il faut faire un seul jour, celui qui est celui Minatora. Et c'est suite à ce minag-là de faire deux jours, que ça dépendait des témoins, est-ce qu'ils allaient venir ou pas, qu'on a instauré maintenant que nous aussi on préserve deux jours. Allez, ça a commencé déjà depuis cette époque. D'accord? Où les témoins n'étaient pas venus le premier jour, il fallait préserver la première journée, et le lendemain, alors on décrétait que c'était Rosh Hashanah, et alors on faisait le korbanot de Rosh Hashanah pour le lendemain. Donc, Noagin Oto Ayom Kodesh, Olmachar Kodesh, ça c'était dans un premier temps. Mishéchara Beit HaMikdash, depuis le moment où le Beit HaMikdash a été détruit, alors là, regardez, on avait instauré que les témoins qui viennent à partir de l'heure de Mincha, le milieu de l'après-midi, 3h30 de l'après-midi, les témoins ne peuvent plus être reçus. Ça c'était l'époque du Beit HaMikdash, à cause de quoi? À cause des Lévim, qui, une fois, il y a eu une histoire où ils se sont trompés, donc du coup on a dit que on n'allait plus témoigner, pour que les Lévim allaient chanter le jour et le Shir Shel Chol, et on allait redifférer à Rosh Hashanah le lendemain. Mais à l'époque, il n'y a plus de Beit HaMikdash, il n'y a plus de Lévim qui chantent, il n'y a plus de risque de faire un korban sans avoir chanté. Alors quoi? Mishéchara Beit HaMikdash, depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, Itkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, il instaurera Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Shehu Mekabli Medouta Chodesh Kol Hayom, qu'on allait pouvoir recevoir les témoignages pour le renouvellement lunaire durant toute la journée. Durant toute la journée, soit jusqu'au soir. Jusqu'à l'Ashkia, parce qu'il n'y avait plus de risque d'élevim, comme ce qu'on expliquait. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, rajoute sur ça Rabbi Yoshua ben Kocha, veod zot itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai. Aussi celle-là, encore une nouvelle takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il a fait,
en rapport avec le renouvellement lunaire et en rapport avec la destruction du Beth Amikdash, un petit peu, pas complètement. On va voir pourquoi. Shafilu Rosh Bet Din Bechol Makom. Que même si le Rosh Bet Din, la tête du Sanhedrin, elle est Bechol Makom, là où il est, malgré tout, Sheloi Oedim Olchim Elalim Kom Avaad. Que les témoins n'iront que là où sont l'Emkom Avaad, à l'endroit où se trouve le Vaad, l'assemblée du Sanhedrin. Soit, c'est déduit du Achodesh Azei et la Chem Rosh Chodashim, que c'est Moshe et Aaron, les deux grands, surtout le grand de la génération, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui décrète est-ce que le mois il est renouvelé. De ce fait, il fallait, on ne pouvait pas partir devant n'importe quel Beth Din pour témoigner qu'on avait vu la nouvelle lune. Il fallait partir forcément devant le grand de la génération, le Nassi Ador, le Nassi, celui qui dirigeait tout le peuple. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si maintenant il est en déplacement? Alors là, c'est une situation délicate. À l'époque du Beth Amikdash, j'imagine que ça ne devait pas tellement se produire parce qu'il y avait la Lishkat HaGazit. Il fallait, on partait à la Lishkat HaGazit, là où il y avait le siège du Rojanaïm, et c'est tout. Mais où il y a plus de, quand il n'y a plus de Beth Amikdash, alors il faut partir chercher le Av Beth Din, le Nassi. Où on va le trouver? On est parti à Betar, on a dit qu'il avait une urgence, il a dû partir jusqu'à Haïfa. Alors on va devoir, les témoins, ils vont se mettre à lui courir après pendant Haïfa. Sur ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a instauré, écoutez, tu vas là où le Va'ad, l'assemblée du Sanhedrin, il est censé être, tu vas là-bas, et s'il n'est pas là, c'est pas grave, tu déposes ton témoignage là-bas, et celui qui sera de service, il décrétera que ce sera le renouvellement lunaire, le renouvellement du mois, ou le renouvellement de l'année. D'accord? C'est la dernière Takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et donc, Shaloi Yaidi Monchim Elalim Kom Avadam, Elalim Kom Avad, que les témoins n'auront besoin d'aller que au Makom Avad, à l'endroit où on se réunit, où les juges se réunissent. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.